Il y a une énorme violence en banlieue. Je suis d'accord. Il y a quand même une dégradation totale. Ouais. Il y a surtout qui est la conséquence d'un désamour. C'est une conséquence, la banlieue. Il y a eu un acte, il y a une conséquence. Moi, ce qui m'embête dans le discours général, c'est qu'on punit énormément. Qu'on ait un jugement, on a tous le droit de juger, mais il y a vraiment une sentence, quoi, une punition. On s'en sert beaucoup, mais il y a très peu de compréhension par rapport au problème. Si il y a cette telle colère, c'est vrai, il y a bien une raison. Et je trouve que c'est un petit peu ça qu'il faut. Là, depuis tout à l'heure, on parle, même ce qu'on a entendu tout à l'heure d'Alain Finkielkraut, encore une fois, que je trouve vraiment intéressant. Il y a quelque chose, en fait, qui n'explique pas, qui ne cherche pas à trouver une solution, qui ne cherche pas, par exemple, c'est évident qu'en banlieue, la culture n'est pas assez développée, que le sport n'est pas assez développé. C'est évident qu'on peut transformer la. On a vu ça depuis toujours, que la colère peut se transformer, qu'on peut récupérer, que la République peut toujours récupérer par la culture et le sport. On le sait très bien. Ça existe de moins en moins.